Je suis né à La Reine, en Abitibi. Ma famille est arrivée à La Reine en avril 1919 et je suis né en juillet 1919. Et j'ai vécu là avec ma famille pendant 11 ans. Au bout de 11 ans, la famille a déménagé à Rouyn-Noranda. J'ai été à l'école, j'ai fait un peu de collège. J'ai essayé de rentrer dans les mines, mais il faut croire qu'on ne m'a pas accepté aux mines. Alors que je suis devenu le gérant des ventes à la laiterie d'Alaire. Les dernières années de ma vie active, je songeais à ce que je pourrais faire après ma retraite, parce que je ne voulais pas rester inactif, parce que j'avais connu des gens qui s'ennuyaient après qu'ils laissaient leur travail, et puis ça endommageait même leur santé. À la paroisse, chez nous, le curé a marqué dans le bulletin paroissial, il y a des paroisses qui se jumellent avec une paroisse du tiers-monde. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. Ça m'a frappé, moi. Je me dis, pourquoi qu'on ne le ferait pas ici? Alors, j'ai dit au curé, je crois que ce ne sera pas nécessaire de demander de la finance à la paroisse. Je pense que j'ai trouvé un moyen pour que se finance soi-même et qu'on puisse aider une paroisse du tiers-monde. On dit aux gens, voici, si vous avez des choses de trop chez vous, en bonne condition ou en moins bonne condition, on les accepte, que vous nous les apportiez ou qu'on aille les chercher. On vous cherche ça. S'il y a de la réparation à faire, on le fait. Et puis après ça, on met ça en vente. Je connais passablement de gens ici, du fait de mon travail. Alors, je suis allé en voir 11 personnes. Puis sur les 11 personnes que j'ai été voir, pour les intéresser à ce que je... Il y en a 9 qui ont accepté. Et puis, c'est avec ces 9-là qu'on a fait la première réunion et puis que ça a commencé. Je visais à avoir des gens de différents métiers. J'ai enseigné seulement 42 ans. Alors, c'est pour ça que quand j'ai cessé d'enseigner, je ne pouvais pas m'arrêter là, hein? Il fallait que je fasse d'autres choses. Alors, comme j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé pour travailler dans Mission Partage, bien, c'est là que j'ai commencé en février 85. Mission Partage est fondée la première année que j'étais au Brésil. Alors, nous avons toujours marché ensemble. Quand je suis arrivée au Brésil, d'abord, j'ai choisi un endroit que je considérais plus pauvre. Je devais aller plus au nord encore, puis on m'a conseillé, les évêques de cet endroit m'ont conseillé d'aller à Salvador. Je suis passée une année à visiter les gens, puis à regarder qu'est-ce que c'est qu'ils pourraient faire. Je voulais qu'ils décident eux-mêmes qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors, les femmes sont mises à dire qu'elles voulaient travailler, et puis ça va pour mettre les enfants, les petits-enfants. Alors, j'ai dit, bien, on va faire une garderie. Mission Partage nous a donné ce qu'il fallait, hein, avec M. Dallaire puis les autres. Alors, il y a 12 femmes qui faisaient la garderie, qui gardaient les enfants, puis les autres allaient travailler. Ça a commencé comme ça. Elle est incroyable. Ces enfants-là qu'elle reçoit, si elle ne les recevait pas chez elle pour leur donner un peu d'instruction pour qu'ils soient un peu plus compétents dans la vie, ils seraient dans la rue, hein? Puis il n'y aura aucune instruction. À chaque année, il y en a au moins 75 à 80 des enfants de la rue au Brésil qui se font tirer dessus par les policiers. Parce qu'ils n'ont rien à manger, puis ils volent, ces pauvres enfants. C'est des enfants qui volent parce qu'ils n'ont rien à manger. Alors Muriel, elle a surtout ouvert des écoles. Quand on vient travailler ici, là, faut pas s'attendre de trouver des grands endroits pour faire des choses. Il faut commencer en petit. Puis on fait tranquillement. Une année, on fait une salle, l'autre année, on fait l'autre salle, on s'en va comme ça tranquillement. Cette construction-là, c'est la première de Mission Partage. On a acheté la base, puis après ça, on a commencé à l'arranger. Maintenant, localement, on aide aussi. Parce que ce que vous voyez ici, là, les prix de, par les prix qu'on fait, ça permet aux gens à faible revenu qui sont ici à Rouyn-Noranda et dans la région de s'acheter des choses
à bas prix. Voilà, ici, là, vous voyez, là, il y a vous avez des chaises fauteuils, puis un futon, des hot dogs. Vous avez des pièces d'ordinateur, des stores vénitiens. C'est un projecteur, ça, ici. Des matelas, petits colliers. On a des plaintes de chauffage, une machine à écrire, un ventilateur, une machine à coudre, des pièces de poêle, des lavabos. On a le département, là, qu'on appelle les valises. D'autres meubles, ici, là, qui sont travaillés. De d'avant-bois, ici. On a un atelier de réparation. Il y a peut-être une vingtaine de pièces, là. Une sécheuse ici à 35 $. Des portes de 34 pouces. Des éléments de poêle. On a de tout, en fait. Même on en donne à des démunis, des fois, quand ils sont trop mal pris, tu sais. Puis on est à l'écoute de ce monde-là, tu sais. Hein? Et quand ils viennent ici, ils savent que... On est là pour les aider et non pour les juger ou faire quelque chose. Ils s'en viennent ici, c'est comme une famille. On fait l'ouverture du magasin deux fois par semaine, le mardi soir de 7h à 9h, puis le jeudi après-midi de 2h à 4h. Les gens me disent, bien là, j'achète ça temporairement parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais quand j'en aurai de l'argent, je vais m'acheter, par exemple, un set de salon neuf, je vais vous rapporter celui-là. Puis nous autres, on appelle ça le mouvement perpétuel. Parce que les gens nous le redonnent, puis on le revend. Par exemple, on ramasse moins que les jeudis. Ça joue entre 300 et 500 $ mardi. Le jeudi, ça joue entre 1000 et 250. Faut dire que c'est dans 2 heures, ça. C'est quand même bon, tu sais. C'est très bon. Puis il faut dire que lorsqu'on vend pour 200 ou 300 $, c'est 300 $ clair. Pas de salaire à payer là-dessus. Ça fait 15 ans que je travaille pour Mission Partage. Jusqu'en 98, j'ai aussi eu, avec le secrétariat, j'ai eu la comptabilité. On envoyait, nous autres, là, à Mission Partage au Brésil, là, à notre missionnaire au Brésil, Muriel Fortin. On lui envoyait chaque année au moins 35 000 pièces. Il faut dire là-dessus que le gouvernement, l'agence du gouvernement en met autant. Ça fait des beaux montants. C'est un grand don.